Bonsoir à tous. Vous allez bien? Eh bien, je vais vous inviter à chanter avec nous au numéro 366. Veille au matin. Je vais vous demander de vous lever. Nous chanterons le 366. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir. Veille le soir, quand se fait le silence, pense aux bienfaits de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur, tout son souci. Avec nous, veille au matin, veille le soir. Veille et prie, toujours, veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Nous allons passer à la prière. Tenons à genoux.
allons nous mettre à genoux et je vais demander dans chaque rangée un sujet de prière. Donc dans la rangée de Charlie, dans la rangée de frère Jubert, dans la rangée de Marie-André, ou frère Walder, et puis c'est tout ça dans une rangée. Donc tu vas donner un sujet, ça devrait aller. Et ensuite, on va faire deux prières là et deux prières là, d'accord? Donc alors rapidement, cette rangée, un sujet de prière. Alors, pour la famille Porfalt, dans cette rangée-là. Oui, suite au décès de la sœur Porfalt, donc prions pour la famille de la sœur Porfalt qui est décédée. Alors, dans cette rangée, un sujet de prière. Alors, on va prier pour le père de la sœur Moutoussami. Voilà, donc deux sujets là, pour la famille Porfalt et le père Moutoussami. D'accord? Donc, dans cette rangée-là, ces deux rangées-là, vous faites une prière là, ensemble. D'accord? Et ici, donc la rangée de frère Bolder, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière? Pour les malades. En général, nous allons prier pour tous les malades de l'Église et puis pour ceux qui. Ah, on avait dit un sujet, donc tu as fait pour le sujet de la sœur, vas-y. Tout à fait. Pour tous nos jeunes qui partent en métropole. Alors, on récapitule. Pour tous nos jeunes qui partent en métropole, pour les malades et puis ceux qui sont découragés, c'est ça? Et puis ici, c'est pour le père Moutoussami et enfin pour les familles de l'Église. Et la famille Porfalt. Eh bien, mettons-nous à genoux et vous faites deux prières par ici et deux prières par là. Nous. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Je salue chacun fraternellement. Ce soir, nous allons essayer de montrer, de faire preuve, du moins, de solidarité. J'ai oublié de prendre mes lunettes et je vais demander à ma famille de me supporter. Donc, Audeline va lire le titre de la méditation ainsi que le verset approprié. Famille et mission. Toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Très bien. Merci, Odeline. Genèse 12, verset 3. Je vous invite à prendre avec moi ce texte. Genèse 12, verset 3. Et Océane se prépare à lire la première partie. Thank you.
Genèse 12, verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui parle? Et il parle à qui? Il parle à Abraham. Quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il pense à quoi? Qu'est-ce que Dieu a à l'esprit lorsqu'il dit à Abraham que toutes les familles seront bénies en lui? Alors, j'ai entendu trois choses. J'ai entendu sa postérité. J'ai entendu non seulement son peuple, mais aussi les peuples d'alentour. C'est vrai que quand Dieu a demandé à Abraham de laisser son pays pour aller dans un pays qu'il va lui donner comme héritage, ça a été pour Abraham une épreuve et une expérience de foi. Et Dieu lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Cela a deux implications. Ça implique que ceux qui seront autour d'Abraham vont bénéficier des bénédictions que lui-même va recevoir du Seigneur, mais ça veut surtout dire aussi que Dieu va faire à partir d'Abraham un peuple qui sera le peuple d'où viendra le Messie. Et donc Jésus est fils d'Abraham. Alors, je vous invite à découvrir une famille qui a été bénie par le Seigneur. Et regardez comment le Seigneur a béni les autres à travers cette famille. Ce texte me rappelle un peu le vrai James Bond. En 1872, son frère Seth devient l'un des premiers adventistes de Californie grâce au ministère de John Loughborough. Seth remplit ses poches de brochures et sa première cible missionnaire est son frère, James, fermier dans la vallée centrale de Californie. Il le trouve dans les champs en train de labourer avec ses mules, mais ne perd pas de temps. Il commence à parler de sa nouvelle foi dans le champ, suit son frère dans la grange et jusque dans la maison. Sarah, l'épouse de James, pieuse baptiste, supporte cela pendant quelques jours, puis elle perd patience et dit à son beau-frère qu'elle apprécie ses visites, mais que s'il n'arrête pas de parler de son histoire des sabbats, il vaut mieux qu'il parte. Sarah répond Seth, si tu peux me montrer un seul texte dans le Nouveau Testament qui demande que l'on observe le premier jour de la semaine, je n'insisterai pas. Merci, Océane. Maman, prépare-toi. C'est toi qui vas dire la deuxième partie. Mais j'aurais souhaité avoir un retour de vous. Alors, c'est l'histoire de qui? J'ai entendu l'histoire de Seth et j'ai entendu l'histoire de White. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'histoire de James Bond. James Bond, le vrai James Bond, pas celui du film, hein? Celui qui est dans la science-fiction, le vrai James Bond, celui qui porte le nom vraiment, qui a vécu en Californie, et en plus nous sommes en Californie, d'accord? Il avait un frère qui a été en contact avec la parole de Dieu, notamment la vérité du sabbat. Et qu'a-t-il fait? Il a trouvé une brochure qui parle du sabbat. Ça lui a fait du bien. Il a donc rempli ses poches. Et puis après, il est allé dire aux gens que le sabbat,
c'est le jour de l'Éternel. Mais la première personne qu'il est allé voir, c'est qui? Son frère qui s'appelle James. Tous les deux, Seth Bond et James Bond, c'est eux qui sont dont il est fait mention dans cette histoire. Alors, c'est vérifiable hein, dans l'histoire de l'Église, l'Église adventiste du septième jour en Californie. C'est un livre de méditation basé sur le pionnier. Approche-toi. Oui. Alors, comment il a fait avec son frère? Ah, vous n'avez pas suivi. Il est allé le voir, il l'a rencontré dans le champ en train de labourer. Et il l'a suivi, et puis lui parle du sabbat comme ça, partout, dans la grange. La femme, qui s'appelait comment? Sarah, la femme de James s'appelle Sarah, elle avait suffisamment de paroles comme ça. Elle a dit, soit tu arrêtes, c'est bien que tu parles, que tu viennes nous voir, c'est bien, on apprécie. Soit tu arrêtes, ou bien soit c'est pas la peine de rester. Pas. Et il va la mettre au défi, il va lui dire quoi? Pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Si tu trouves un seul verset dans le Nouveau Testament qui dit d'observer le dimanche, alors je m'étais. Quelle va être la réaction de Sarah? Nous continuons. C'est facile, répond-elle. Elle demande à James d'arrêter de labourer jusqu'à ce qu'il trouve le texte et se mette à lire ensemble le Nouveau Testament. Au bout de 4 jours, ils arrivent à la fin de l'Apocalypse sans avoir trouvé. Le samedi matin, James se lève, va nourrir ses mules, les anarcher, pour se préparer à labourer. Il revient à la maison, prend son petit déjeuner, dirige le culte familial et retourne au travail. Vers 9 heures, sa femme voit la charrue arrêtée au milieu du champ. Pensant qu'il a été victime d'un accident, elle se précipite et le trouve assis en train de lire une brochure sur le sabbat. Tous deux deviennent alors sabbatiste. Plus tard, encouragé par Ellen White, ce père de 11 enfants devient médecin. 5 de ses filles deviennent pasteurs et 7 de ses enfants partent en mission à l'étranger. Amen. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans la deuxième partie? Sa réponse a été quoi? Facile, on va trouver ça. Et ils ont pris combien de temps pour lire tout le Nouveau Testament? 4 jours. 4 jours à lire le Nouveau Testament. Pour trouver le texte, parce qu'il y a forcément un texte. Et quand il fait, aucun texte. Le samedi suivant, le monsieur se prépare normalement pour aller travailler, mais le Saint-Esprit parle à son esprit et il s'arrête pour lire la brochure qui avait été donnée. Et la femme qui pense que le monsieur a un problème, elle va le rencontrer, se met à lire aussi, et tous les deux deviennent sabbatistes. Alors là maintenant, c'est la façon dont Dieu a conduit ces gens-là vers la vérité. Maintenant, comment Dieu va bénir toutes les familles, beaucoup de familles, à travers leur ministère? Rosa. Deux d'entre eux, Frank Starr Bond et Walter Guy Bond, deviennent pionniers de la mission en Espagne en 1903. Walter y meurt 11 ans plus tard, à l'âge de 35 ans, apparemment victime d'un empoisonnement. Tous deux affrontent les mêmes difficultés que Paul, car on les chasse des villages à coups de pierre. Cette histoire m'intéresse personnellement, parce que ma femme, Elisabeth Bond, est la petite-fille de Frank et l'arrière-petite-fille de James Bond.
La famille a une importance essentielle. L'influence de la foi des parents détermine en grande partie la relation des enfants avec le Seigneur, l'Église, le service. Amen. Combien d'enfants James Bond avait? 11 enfants. Et poussé par Ellen White, il est devenu quoi? Il était quoi? Quand on lui a donné la brochure, là, il était quoi? Il était fermier, d'accord? Il travaillait dans les champs. Et quand il est devenu adventiste, Ellen White l'a poussé à être quoi? Médecin. Avec ses 11 enfants, ils ont témoigné, ils ont fait pas mal de choses. Et plusieurs ont été des missionnaires. Ainsi, toutes les familles, beaucoup de familles de la terre ont été bénies par ces gens-là. Et je pense que ma famille et vos familles aussi sont bénies par leur témoignage, n'est-ce pas? Comme c'est la réunion de prière, je voudrais vous inviter à prier pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et pour que nos familles soient vraiment un témoin pour Jésus. Je vais vous inviter à vous joindre avec votre famille et à prier pour ça. Maintenant, si vous n'avez pas de famille, vous pouvez vous joindre à quelqu'un qui est dans la même situation. Nous prenons maintenant le temps, quelques minutes, pour la prière, afin que le Seigneur puisse bénir nos familles et puisse nous permettre d'être en bénédiction aux autres par rapport à ça.
Nous entonnerons. Nous entonnons la troisième strophe du 285. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. Témoignage avant de terminer avec Océane. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Donc, alors, ce soir, j'avais un petit témoignage à partager avec vous. Alors, le mois dernier, j'ai dû passer mon brevet national des collèges et j'étais pas stressée pour cet examen-là, mais j'étais perplexe. Je me demandais comment ça allait se passer, est-ce que ça allait bien se passer ou pas. Même si dans l'année, Dieu m'a permis de quand même avoir des résultats corrects, à la fin, l'examen, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a fait dans l'année. Donc forcément, ça nous stresse un peu, on se demande est-ce qu'on va rien oublier, est-ce que voilà. Et du coup, c'était le 27 et le 28 juin. Mais en fait, avant la deuxième la deuxième journée d'épreuve, je n'avais pas bien révisé histoire géo. Et j'étais vraiment persuadée que j'allais rater cette partie de l'épreuve. En sachant que le programme de cette année en histoire géo était très, très lourd. Donc, j'ai révisé comme je pouvais vite fait la veille du devoir. J'y suis allée. Et puis, il ne faut pas que j'oublie non plus qu'à chaque épreuve, avant chaque épreuve, je priais. Donc, quitte à perdre une minute sur le temps qui me restait pour composer, je priais avant chaque épreuve. Et à ma grande surprise, malgré toutes les leçons qu'on avait faites en histoire géo, je suis tombée sur la leçon la plus facile et surtout la leçon que j'avais déjà réussi en cours parce que je l'avais faite en cours et lors du premier brevet blanc, j'étais tombée dessus. Donc j'avais eu une bonne note en plus pour ça, donc je connaissais déjà vraiment le sujet. Je suis tombée sur la Première Guerre mondiale. Donc j'ai dit merci Seigneur, j'ai composé et voilà. Donc je me suis dit bon, j'espère que ça va aller. Ensuite, le résultat, c'était le 10 juillet. Donc, il y a eu plein de problèmes le jour des résultats parce que sur certains sites internet, on nous dit que c'est à 10h, d'autres c'est à 10h30, un autre c'est à 15h. On s'est dit, quand est-ce que ça sera? On ne sait pas. Donc, moi, tranquillement, je fais mes affaires. Je me dis, bon, je ne me pète plus la tête dessus. Je vais aller voir ça ce soir parce que franchement... j'en ai marre, je ne sais pas à quelle heure je vais devoir recevoir mes résultats. Donc, je fais mes affaires tranquillement, je nettoie chez moi et tout. Et puis, je reçois des messages sur mon téléphone. Donc, je vais regarder et je vois, en sachant que j'étais en train de parler avec une amie avant de recevoir les résultats, et c'était une fille qui travaillait très bien à l'école, elle était dans ma classe et elle était très souvent mieux placée que moi, dans la liste. Et du coup... À chaque fois, je me dis, elle aura de bonnes notes et tout. Elle me disait, mais non, je ne suis pas sûre de ce que j'ai écrit et tout. On n'était vraiment pas sûre.
Et donc, je reçois des messages sur mon téléphone. Je décide que je vais aller regarder. Et je vois l'amie avec laquelle je parlais. On avait peur de ne pas avoir la mention au brevet. Ben, elle m'a dit, félicitations, tu as eu la mention très bien à ton contrôle, à ton brevet. Et elle a aussi une très bonne mention. Donc, je remercie Dieu pour ça. Il m'a permis d'avoir ces notes. Et même si on doute, il ne faut pas douter de lui, en fait. Parce que c'est lui qui a les réponses à nos questions. Et le fait de prier avant chaque épreuve, ça m'a permis de reprendre confiance et ça m'a permis de composer. Donc, c'est vraiment grâce à Dieu que j'ai pu réussir cette épreuve-là. Et je le remercie pour ça. Et voilà, c'était le moment de témoignage. C'est dommage que le temps est un petit peu court. On ne pourra pas entendre d'autres témoignages. Mais je vais vous inviter à prendre avec nous la dernière strophe du 285. Et après quoi, nous ferons la dernière prière. Je vous invite à vous lever. Prends donc pitié de ma grande misère. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. Je vous invite à compter sur la fidélité de Dieu. Le frère Charlie, tu pourras nous faire la bénédiction. Merci. Nous remercions la famille Salvador pour leur intervention ce soir. Que le Seigneur soit béni parce qu'il place des familles entières pour pouvoir travailler à son œuvre, n'est-ce pas? Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie. Que le Seigneur nous accompagne, que ses anges soient puissants en grand nombre autour de nous et qu'il nous donne l'assurance de sa présence pour témoigner que Jésus est amour et qu'il revient bientôt. Allons en paix au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit sous le regard du Seigneur.